Hey, salut à tous, c'est la Souris 3. Aujourd'hui, enfin NITV, je trompe à chaque fois. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau glitch ou un nouveau wallbridge ou peut-être un nouveau garage qui va arriver dans le prochain DLC. Donc sur GTA 5 Gunrunning partie 2, parce qu'on sait qu'il y a une partie 2 qui va sortir. Donc voilà ce magnifique garage. Donc là, vous pouvez voir que j'étais dedans. J'ai cassé un peu et j'étais avec la Okello, je crois, donc ce véhicule que vous voyez ici présent. Et donc on va y retourner, donc je vais vous montrer tout de suite où on y retourne. Si vous aimez ma tenue, n'hésitez pas à la marquer en commentaire. Je suis un peu fatigué avec la chaleur. Oui, là je parle un peu mal parce que je suis fatigué avec la chaleur et tout. Le manque de vidéos qu'il y a eu sur ma chaîne, c'était aussi parce que j'avais pas le temps de faire des vidéos. Mais vous avez pu voir sur Instagram, j'étais beaucoup actif sur mon compte Insta. Vous auriez pu voir que j'ai fait beaucoup de stories pour voir si je faisais des lives ou pas. J'en ai pas fait. Ah, bah je suis tombé directement, c'est bien. Donc vous pouvez voir que là, on est dans un fond tout... comment dire, tout truc. Donc je sais plus où j'étais allé pour voir le truc. Ah, voilà. Donc, on va se mettre en vue première personne. Donc vous pouvez voir le premier vigile que j'ai tué. Donc voilà, il y avait des vigiles. Donc là, voilà, la porte elle s'est fermée. Et là, il y avait le vigile. Donc voilà, c'est ça. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on peut ranger au moins 97 véhicules. Donc soit ce seront des véhicules spéciaux, soit ce seront des petits véhicules comme ça. Donc des véhicules qui ne servent strictement à rien, qu'on peut péter tranquillement. Soit ce seront vraiment des véhicules spéciaux ou quoi. Donc je ne sais pas du tout. Mais vous pouvez voir que je vous ai pas montré, mais on peut conduire les véhicules qu'on a ici. Donc là, les conduire vraiment, on peut naviguer avec et tout. Donc c'est un truc de malade de naviguer avec les véhicules qu'on ne pourrait pas de base, que ce n'est pas notre garage et tout, mais on peut naviguer avec et tout. Donc quand vous voulez voir le garage, si vous êtes bloqué comme moi au début parce que j'ai galéré pour rentrer dans le garage, il faut vous mettre en vue première personne quand vous le voyez apparaître. Quand vous voyez apparaître, vous ne bougez plus, vous vous mettez direct en vue première personne. Et après, vous pourrez naviguer vraiment dans le garage. Je ne suis pas en mode avec, enfin je suis pas sur PC, je suis vraiment sur PS4. Vous avez pu voir que j'ai du wallbrush un mur pour le faire. Donc j'attends de plus avoir les clics et puis je vous montre comment wallbrush le mur. Je sais pas si vous l'avez vu au début de la vidéo. Quand je compte, quand j'ai compté les places de parking, je vais accélérer tout ça comme ça. Ce sera mieux pour vous. Et pour moi-même aussi, ce sera mieux. Donc vraiment, après, vous pouvez tirer, faire n'importe quoi, voilà. Donc, je viens de revoir les flics alors qu'ils ne sont pas censés me voir. On va appeler Lester, ça va aller plus vite. Voilà. Donc, pour ressortir du garage, c'est tout con pour ressortir du garage.
montrer ça tout de suite. Pour ressortir du garage, il faudra vous rendre ici, donc à la porte de sortie. Si vous voulez, vous pouvez vous foncer dans le mur pour faire une autre vidéo et pour vous montrer. Si vous avez déjà vu une fois. Enfin, voilà. Bref, passons. Pour ressortir, vous ne pourrez pas passer par ça. C'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage. J'ai voulu essayer quand je l'ai trouvé la première fois, mais on ne peut pas. Donc, il va falloir que vous passez par la porte qui est là. Vous pouvez voir que les balles transpercent tout. Du coup, vous avez juste à aller là. Et vous êtes en dehors du truc. En étant là, vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur, comme vous avez pu voir au début de la vidéo. Du coup, je vais vous montrer de là où on passe pour rentrer dans le garage. Voilà. Donc, on entend bien le bouton spam 3. Ah, voilà, sûrement on spam pas. Plus pratique. Vous avez vu, j'ai changé un peu de voiture, j'ai pris la FMJ pour une fois. C'est pas la proto. Donc, vous voyez à peu près. Vous voyez à peu près ici. Et ben c'est là où le wellbrush va se passer. Pas par là, parce que par là je crois que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais je pense qu'il faudrait mettre un truc pour que ça fonctionne plus. La porte non plus, vous ne pouvez pas y rentrer. Donc c'est vraiment, tout va se passer ici. Donc vous allez y aller là. Et vous allez, voilà, rentrer dans le mur qui est ici, là. Voilà. Et ne vous penchez pas par là, sinon vous allez tomber directement dans le garage, même si c'est ce qu'on veut. On rentre directement dans le garage, voilà. Et donc, aussi, on peut avoir les flics de là. On est immortel, donc aussi, c'est un bon wellbrush, je trouve, pour ma part. Bref, c'était Enil TV, comme vous voulez. Je vous dis à la prochaine. Ciao.